Salut tous les amis, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars, c'est tendu, c'est chaud, je suis actuellement recherché par la police, il y a les flics devant chez moi, il y a les flics devant chez moi les gars, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, j'ai volé toutes les voitures des super-héros et voilà, ils ont fini par me retrouver, ils m'ont retrouvé, ça va être tendu, regardez-moi ça. Putain les gars, ça a sonné chez moi le matin, Putain, mais il y a les flics devant, les gars, j'y vais avec les caméras de surveillance. Bonjour monsieur, faut que je me rende. J'ai pas envie de me rendre les gars, putain, faut que je m'échappe. Ok, faut que je m'échappe, par où je peux passer les gars. On va passer par le jardin, Il faut absolument que je m'enfuie les gars, mais pourquoi la police vient chez moi, je veux dire, qu'est-ce que j'ai fait. Ok, ils m'ont pas vu. Doucement. Police. Ok les gars, il y a la moto. Wow les gars. Oh my god, je suis recherché par la police. J'ai pas envie d'aller en prison les gars, je sais que... Mais... Non, ils sont tous là, s'il vous plaît. Non, la police... Putain, pourquoi les gars, vous m'arrêtez? J'ai rien fait. C'est bon, m'en l'air les gars. Non. Oh là là. Oh putain les gars, ça y est, ils m'ont mis dans la voiture. J'ai pas envie d'aller en prison, bordel. Non. Quoi? Mais attendez là, monsieur l'agent. Monsieur l'agent, enfin. Pas de procès, rien. Aucun procès, les gars. Putain, mais ça, c'est parce que je suis un babouin, les gars. Non, s'il vous plaît, me mettez pas en prison. J'ai rien demandé à personne, je vous jure, je voulais pas voler ces voitures. Je voulais rien faire, les gars. Mais j'ai même pas de procès. C'est direct, quoi. C'est direct. Non mais vous êtes sérieux? Là vous êtes sérieux? Là vous me regardez dans les yeux? Là je vais en prison là. Oh là là. Comment je vais faire? Aïe. S'il vous plaît, pas la prison, s'il vous plaît. Putain. Je sais même pas. Quoi? 59. Ça fait quoi? Ça fait 100 jours ça. Oh là là, non, mais qu'est-ce que je fais ici, bordel de merde, Bon, faut que j'aille voir où est-ce qu'elle est ma cellule, les gars, je vais aller voir le gardien. Bonjour monsieur, bonjour, c'est bien moi, oui, je vais en prison, c'est mon premier jour, bonjour, je voudrais ma cellule. Quoi? What the fuck? Mais qu'est-ce que... Mais moi je suis une victime, moi. Tu me dégommes pas, moi, ok. Je te nie. Tu sais pas qui je suis, moi. Montre-moi ma cellule maintenant. Voilà, elle est en haut à droite, c'est bien. T'as un bon sbire. Tu m'écoutes. C'est moi qui me fais respecter en prison, ok. Je suis le boss. Je vous préviens tous ici. Le king, c'est moi. D'accord. Toi, là, avec ton téléphone. Depuis quand t'as un téléphone, d'ailleurs, toi? Le mec, il a un téléphone. Bonsoir. Ah. Oh, lui, il va me casser la tête avec sa guitare. Hey, ma cellule. Ok. Alors attendez, où est la douche? Où est enfin, où est le WC, quoi? Je dois vous avouer que je comprends pas là. Je ne comprends pas. Aïe. Tu fermes ta gueule. Voilà. Tu me casses pas la tête avec ta musique là. Bordel de merde. Tu me tardes de me faire chier, quoi. Arrête de me faire chier, j'en ai déjà des gommes 2 les gars. J'ai pas envie quand même de finir. Heureusement qu'il n'y avait pas de gardien autour. Parce que j'ai pas envie de finir ou quoi. Ça pour le coup ça craint. Bon bah écoutez, on va aller faire un petit tour dehors, voir comment ça se passe. Hein. Let's go. Bonsoir. Hey, what's up? Hey, il y a plein de trucs ici, c'est vachement stylé. Il faut que je trouve un moyen pour m'échapper aussi. Training room, ok. Training room pour s'entraîner. Oh, Oh, salle de muscu. Les gars. Musclor, vous connaissez c'est qui? C'est moi Musclor les gars. Eh hey, ça pousse et tout, normal. Eh hey, c'est du combien ça? Ils font combien ça? 50, 60? Il y a combien là? 25, 5. Non, ça c'est des 10, 10, 5. Eh hey, quand même, hein, 90 développés couchés, ils sont chauds. Ok, je suis un homme moi. Direct, qu'est-ce qu'il y a? Pou. Tu... Hey, j'ai assez montré mon talent, je pense qu'on va sortir d'ici. Eh bon les gars. Il est actuellement... Ouh, il y a des toilettes et tout. Fuck, pourquoi il y a des gens qui...
D'accord, y a des... je suis sous la douche, je voulais prendre ma douche avant d'aller manger, parce qu'après c'est la cantine, les gars. Il y a des trucs... Oh non, non, en fait, finalement, je vais pas prendre ma douche, les gars. Il y a des trucs vraiment chelous ici, hein. What the fuck? Mais hey, si je suis tombé dans une prison, là, je ne comprends pas, là. C'est quoi cette prison? S'il vous plaît. Où est-ce que vous m'avez mis, là? Bon, on va aller manger. Hey, la petite cantine qui est plutôt pas mal. Hey, what's up, les gars? Bien ou quoi, les gars? Bien ou quoi? Comment allez-vous? Oh putain, putain, faut faire la queue, les gars. Aïe, 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 aïe. Alors, je vois qu'il y a pas mal de choses. Hein, et c'est... Franchement, si on mange ça à la... enfin, en prison, moi, j'y vais tous les jours. Hein. Faux! 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 Je passe 100 jours, si vous voulez, et même 200 jours. Hein. Bon, bah, ok, putain, faut que j'attende. Par contre, le gars, il fait des trucs chelous, là. Non, monsieur, c'est à mon tour. Alors, voyons voir ce qu'on a de bon à manger. Ok, il y a des fruits, des donuts, coca, burger. Oh, shit. Il y a pas mal de trucs. Bon, moi, je vais prendre un... Je vais prendre quoi? Tiens, je vais prendre un petit burger. Allez. Un petit burger avec une petite frite. Allez, let's go. Je vais prendre ça, je pense. Ouais, je vais me prendre un petit plateau. Let's go. Ok, je me suis posé normal, au calme. On va manger notre petit burger. Ah ouais, ça a l'air pas mal du tout. Ce petit burger là, maison. Ah ouais, en fait, non, il est dégueulasse. Oh, oh c'est horrible, c'est horrible. Allez, dégagez-moi ça, dégagez-moi ça. Je vais bouger d'ici, dégagez. Ok, les gars, il y a le dernier qui va m'appeler qui m'a dit écoute, t'as une petite visite. Et voilà, je vous ai dit, j'ai appelé la mort au téléphone. Il faut absolument qu'il me trouve un moyen de m'échapper de cette prison de merde. Ok les gars, mon gars Lamar, comment on va mon gars Lamar? Ok, il faut absolument que tu me trouves un moyen de s'échapper. Il faut que je m'échappe, il faut que je trouve un moyen de m'échapper de cette prison, bordel, il faut que je m'échappe. Lamar, qu'est-ce que t'as à proposer? Ok, d'accord, il faut que je trouve le couteau, ça devrait pas être compliqué. D'accord, ok. Ok, merci Lamar. Bah sinon, bah ciao. Bon, j'ai rien d'autre à lui dire moi. Ok les gars, qu'est-ce qu'il m'a dit Lamar? Il m'a dit tu vas dans la cuisine. Dans la cuisine, tu trouveras un couteau. Dans ce couteau, tu vas dans ta cellule, tu creuses parce que les murs, ils sont pas très très puissants. Et normalement, t'as accès au sous-sol. Et ensuite, tu pourras accéder au souterrain de la prison. Les gars, va-t-on s'enfuir de cette prison? Va-t-on le faire? On veut le faire et on va le faire et on doit le faire. Surtout, on doit le faire. C'est... Ok les gars, ça fait 30 jours qu'on est en prison, ça fait un mois qu'on est en prison. Et j'ai enfin trouvé qui était ce fameux Jesse, les gars. J'ai enfin trouvé qui était ce fameux Jesse. Il m'a laissé le couteau, donc normalement, techniquement, on va aller le voler. Autoriser cette personne. Non, on fait comme si de rien n'était, les gars. On va dans la cuisine. Ok. On laisse dans les cartons normalement. Faut que j'aille voir dans les cartons. Ok, les gars, il est en train de danser, ils sont occupés. Je vais le prendre. Ok, il est là. Il est là. Magnifique, les gars, j'ai le couteau. Ok, j'ai le couteau. Je vais le ranger dans mon froc. Par contre, hop, voilà. Tranquillement, faut le ranger dans le caleçon. Parce que croyez-moi que si les flics vous arrêtent avec ça, les gardiens, eh bah, je pense que là, je vais au trou pour le coup. 30 jours, on est ici. Je pense que ça va me prendre quand même au moins une semaine de tout creuser, les gars. Oh, ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va, ouais, je pense que 7 jours ça devrait le faire, les gars. Ça devrait le faire. The next day. Ok, les gars, putain, mais j'ai réussi à m'échapper de lui, les gars. J'ai réussi à creuser. Putain, il va toujours bientôt. Putain, tout a sonné dans la, les gars. Tout a sonné dans la prison. Tout a sonné, les gars. Tout a sonné. Je crois qu'on l'a alerté. J'espère juste qu'il n'y a pas la police. J'espère que je suis recherché de partout, les gars. Je suis vraiment recherché de partout. Oui, 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 non, 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 non. Non, 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 s'il vous plaît, me remettez pas en prison, s'il vous plaît, me remettez pas en prison, non. Non, 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 ils sont là, ils sont là, ils sont là, je savais qu'ils allaient m'attendre, je savais, je sentais pas ce plan, Lamar, je le sentais pas ce plan. Ok. Non, putain, je repasse. Comment ils vont me ramener, les gars, là, je sais pas qu'ils me ramènent. Me ramenez pas, bordel. Avance, avance, oui, c'est bon, j'avance, putain, les gars, je savais qu'il fallait pas que je m'enfuie. Pourquoi je me... What? Pourquoi je me suis enfui? Pourquoi? Ah là là, regardez, où est-ce que je vais finir? Ah là 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 là, non, non, non. Mais punaise de bordel de punaise. Ils m'ont mis au trou. Ils m'ont mis au trou. Et regardez, je peux rien faire. Ils m'ont mis au trou, je vais être exposé au soleil toute la journée et tout. Je vais faire comment, les gars? Aïe, 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 aïe. Much later. Ah, les gars. Ah, putain. Ça fait 70 jours, les gars. Putain, ça fait 40 jours, je suis dans ce trou. Je le savais, les gars. Fallait pas grossir. Putain, j'ai même pas pu me raser la barbe. J'ai même pas le droit, les gars, de me raser la barbe. J'ai trop de rien faire. Je suis dans ce putain de trou. Et je suis enfin, enfin, je vais pouvoir sortir. Enfin, c'est mon jour où je sors, les gars. C'est mon jour où je sors. Ok. Ok, les gars.
Ma barbe, elle a poussé. Oh, regardez, avant comment j'étais, les gars. Avant comment j'étais, regardez maintenant. What is this shit? Il faut absolument que je m'enfuie de cette prison. Il faut que je m'enfuie. Ok, les gars. Bon. Je vois enfin l'air libre. Je suis enfin dans la cour. Et là, il y a un petit gars qui propose to escape. Presse E to escape. $100 to make a route. Il faut que je trouve $500,000. Il faut que j'appelle Lamar, les gars. Et Lamar, bonsoir Lamar. Bonsoir Lamar, Lamar, comment vas-tu? Bon, écoute, j'ai trouvé un gars. On l'appelle Michael. Ce type, il veut 500 000 en cash. C'est très bien, on est riche, on a vendu des véhicules et tout. Trouve-moi ça, livre-lui, je te mets, tiens, je te donne son livre. Voilà. Donc on prévoit ça dans 2 jours. Moi, ça fait 70 jours que je suis ici, j'en peux plus. Voilà, je te le dis, j'en peux plus. Il faut que je m'échappe, il faut que je m'échappe. Je compte sur toi, Lamar. On est actuellement le lendemain matin. Et aujourd'hui, on va mener une guerre totale. On va s'enfuir de cette prison pour enfin pouvoir être libre. Salut, mec. Comment vas-tu, mec? Comment vas-tu? Oh, bien sûr. Oh, shit. Oh, shit. Les gars, il faut que je m'échappe, il faut que je m'échappe, il faut que je m'échappe, les gars. C'est la guerre ce soir. C'est la guerre dans la prison. J'ai mené l'assaut. Je me fais tirer dessus. Là, 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 là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a maintenant? J'ai une arme, les gars. 500 000, moi, j'ai payé pour ça, les gars. 500 putain de mille essais. Je vous ai dit, c'est ma prison. Je vous l'ai dit dès le début. Dès que je suis arrivé dans cette prison, je vous ai dit, c'est ma putain de prison. Et personne ne me fera qui que ce soit. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous allez faire quoi ici? Moi, c'est ma prison et je m'enfuis, les gars. Voilà, qu'est-ce que vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Quoi? Tu veux quoi? Y'a un problème? Y'a personne? Voilà, je m'échappe, les gars. Je m'échappe de la prison. Enfin. Enfin, oui. Je suis libre. Ouh. Ok, ça les gars, c'est tranquille. On voit la voiture et c'est parti. On a passé 100 jours de cette prison de merde. Enfin, enfin, libre. Aïe, 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 putain, y'a les flics encore. Oh là là, entendez-moi cette alarme de flics. Dès le début, quand je suis arrivé, j'ai dit, vous allez voir, j'ai des gommes de gardien dès le début, premier jour. Ensuite, vous voulez pas me respecter? Y'a pas de souci. Venez, je vais me manger. Allez, viens, vas-y, viens, c'est à découvrir. Viens, c'est à dire, viens. Voilà, les gars, petite vengeance personnelle. Allez, c'est bon, on peut repartir, les gars. Ouah, ouah, y'a plus de flics. J'ai plus les flics. D'accord, j'ai plus les flics. Bon, ok. Et bien voilà, les gars, c'était tout simplement incroyable. On a passé 100 jours en prison. On a passé 30 jours dans le cachot. On a mangé de la merde. On n'a pas pris de touche parce que s'il y a des trucs bizarres dans la touche. C'était incroyable, si jamais vous voulez un épisode 2, si jamais vous voulez d'autres vidéos de ceci, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, c'était Unu pour vous servir. Sur ce, on se salue. Ciao, ciao.